Ça c'est oui, c'est ce que je pensais. Oh merde. C'est bon. On peut monter, c'est bon, c'est réaliste. J'ai, je crois qu'il y a une méthode qui permet de pousser le truc hyper rapidement, mais je la connais plus trop. Ah bah si, c'était ça en fait. C'était la le pousser mécaniquement. Voilà, donc écoutez, on y va. Je pense qu'il faudra faire 3 détours au total. Oh putain, il me fait chier celui-là. En fait, ça c'est bien, ça protège. Ça protège. On va le défoncer parce que lui il me gonfle. En fait, ce qu'il faudrait pas, qu'il faudrait pas qu'il y ait une lune de sang sorte. Oh putain, il me gonfle. Il me gonfle, il me gonfle, il me gonfle. Bim! Eh ben putain, il en fallait du temps. Il en fallait du. Eh regardez, il y a des matériaux qui sont remontés. Y'a rien du tout. On va récupérer les matériaux. Broduche Octo. Cette broduche provenant d'un membre de l'espèce Octo est si légère qu'elle peut s'envoler. Vous pouvez même y fixer un objet et elle l'emportera avec elle. Tentacule Octo. Ce tentacule provenant d'un membre du peuple Octo est si acide qu'il est immangeable. Il est par contre très apprécié pour préparer des remèdes. Ah. Nous n'avons rien du tout actuellement. Donc du coup, on va continuer par là-bas. Vu que c'est hyper loin, du coup... Oh, regardez, attendez. Hop. Vous avez vu, c'est hyper loin. Y a rien du tout. Ah ah, regardez, il y a un coffre. Il y a un coffre, les amis, encore. Il y a un petit coffre encore. Donc, du coup, on va le récupérer. Et regardez, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième à côté. Ou un troisième. Eh ben, dis donc. On en voit plein, dis donc. Ah, lui, par contre, il risquerait d'être un peu bâtard à récupérer. On peut pas se baisser en le récupérant. On va essayer. Comment voulez-vous qu'on le récupère celui-là? Non mais non. Le pire c'est que j'aimerais bien qu'on voie dans l'eau un jour. Ce serait bien. Je sais pas, ça serait bien qu'il découvre un glitch permettant de voir dans l'eau. Du coup, ben on peut pas le récupérer en fait. On est dans la merde pour le récupérer. Parce que là, techniquement parlant, je suis pas... Ah, on peut le récupérer. On peut le récupérer les amis. C'est dire ça. J'en ai marre de tomber. J'en ai marre de tomber. Petit léger, voilà. Un petit coup léger. Du coup, on va pouvoir le récupérer comme ça. Nickel. Et ben putain, ce coffre, il a été une galère à venir. Allez vers nous. Putain, il faut que j'arrête de faire ça parce que je suis en train de défoncer ma vie. 5 flèches de glace. Ces flèches imprégnées du pouvoir de la glace gèlent tout ce qui les entoure en impact et sont particulièrement efficaces contre les éléments chauds. D'accord, chaud. Comme ma barre de vie. Comme ma barre de vie. Qui elle-même est très chaude. Actuellement, donc du coup, on va donc du coup, il y a plus rien ici, il y a plus rien ici. De toute façon, les coffres déjà ouverts comme ça, ils disparaissent au bout d'un moment. Donc dites-vous que celui-là, putain, quel con, on le reverra plus. Donc, on fera plus. Donc là, là-bas, il y en a deux autres. Vous avez vu, il y a plein de poissons ici. En tout cas, ça va être, c'est très sympathique pour la bouffe. Ah, notre petit coffre. Donc on récupère. Tic. Oh, pas de brut. Ce minerai d'aéro, le reflet irisé, semblable à celui d'un coquillage renfermant la puissance des eaux. Yes. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Hein, parce que c'est pas mal d'un grand. Donc dites-vous que ça nous prendra le temps que ça nous prendra. Donc du coup, ça peut nous prendre. Je vous dis, ça peut nous prendre peut-être 30-40 minutes en faisant ça. Avec la grandeur de la zone et tout.
En fait, dès que mon. Parce que j'ai un format de. J'ai mis mes miniatures en diaporama sur mon PC. Et donc, du coup, en fait, dès que ça change en haut du rouge, ça me fait une petite frayeur. On parle ambre brut. Cette résine végétale fusée d'aérole qui brille d'un éclat caramélisé, se porte en bijoux ou sert d'ornement depuis la nuit des temps. Yes! Allez, dégage! Et maintenant, on va donc s'attaquer à la suite. Donc, la suite, elle est là-bas. Après, il n'y a rien du tout de toute façon. On va donc aller là-bas au fond. Ah, attendez, je vais pas me faire avoir. Vraiment des questions. Oh, j'ai bien visé. Par contre, je vais juste récupérer les minerais. Par contre, il va faire nuit. Alors, perso, faire ça de nuit, dans les gens, dans le jeu, on voit hyper mal. Là, on commence à avoir hyper mal. Alors, imaginez pas dans la nuit. Ah, il y a un poisson. Ah, j'ai même tué un poisson en même temps. LOL! J'ai même pas fait exprès, le pauvre. Parfait. Tac. Vous allez voir, les. Wow. Ça va commencer à disparaître, les coffres. Il y en a déjà deux qui sont enlevés. Mais les trucs des octoroques, on les voit mal la nuit, surtout. Il faut. En plus, dans la nuit, il va pleuvoir. Ouais, nickel, j'adore ma vie, putain. Donc on va un pas voir et deux on va pas voir du tout en fait. On va pas voir du tout. C'est bien. Ah con. Par contre là-bas il y a de la chaleur, il y a de la fraîcheur on dirait. Oh, me dis pas que là-bas c'est un. Oh, putain je crois que là-bas c'est le domaine des glaces en fait. J'espère pas hein, parce que on va être dans la merde si on voit rien. Oh, c'est magnifique. Oh, le reflet. Oh, le reflet est totalement buggé par contre. Par contre, c'est une lune. C'est pas une lune de sang, donc ça me rassure. Parce que on dit, ça va ça refléter sur de l'eau propre, on va dire. Donc les Octoroks ne pousseront pas dans cette. Enfin, en tout cas, ne repopperont pas dans cet épisode, en tout cas. Parfait. Donc écoutez, les amis, on va donc s'aventurer un petit peu dans ce recoin. Voilà, on va un petit peu maintenant s'aventurer dans ce recoin. J'essaie de faire par truc. Allez hop, on va un petit peu aller là-bas maintenant. Et je crois qu'il y avait un coffre là-bas, non? On verra plus tard. Et dans l'autre partie, donc on la fera une prochaine fois, hein, bien entendu, on la fera pas maintenant. Y a rien du tout, parfait, y a rien du tout. Y a rien du tout, y a rien du tout, y a rien du tout. C'est bien. Oh mon Dieu. C'est bien, ça va. En fait, au final, ça va rapide si on enchaîne les trucs. Ouais, ça va hyper rapide si on enchaîne les trucs. Donc ici, il n'y a rien du tout. Oh putain. Oh putain, il faut pas que j'ai loupé des choses. Non, j'ai pas loupé de choses. Ça, c'était rapide. Donc voilà, comme on s'est dit, on s'arrête à la limite du pont. Par contre, sous le pont, je me demande s'il n'y a pas des korogus. Allez, regardez, là-bas, c'est un truc à korogus. Mais alors, ça, on va pas le faire maintenant. Parce qu'on se concentre uniquement sur le lac qu'il y a aujourd'hui. On fera les korogus dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, on y pensera qu'il y a un korogu ici. Enfin, j'y penserai en tout cas. De toute façon, je dois upload les vidéos, donc dites-vous que j'y penserai doublement. On ira juste aller voir sur l'île, mais l'île, de toute façon, c'est. Voilà. Vous avez vu, c'est un truc à korogu. En fait, il faut tirer une flèche dans la cellule qui est en haut à gauche. Du coup. Voilà. Si on voit un coffre là-bas, je n'irai toujours pas. Parce que c'est que cette partie aujourd'hui. L'autre partie sera la prochaine fois. Et en plus, l'autre partie, elle est. On dirait pas très très grande. Ouais, non, elle est pas trop grande, ça va. J'aurais cru à un truc hyper grand, mais pas du tout. Je fais attention parce que j'ai peur qu'il y ait des Littorocks du coup, bah, parce que. Et regardez. Bon, là, ça, je peux le faire parce que ça concerne pas la deuxième partie. Donc, je vous dis que ça, il n'y a pas de souci, par exemple. Ça, je peux le faire. C'est à la limite du pont, mais je peux le faire. Ah, le sol, il n'a pas l'air hyper grand non plus ici, en fait. Parfait. What the fuck? Allez, viens, mon coco.
Nickel. Épée de soldat, 1 sur 14. Les soldats de château d'Hyrule se servaient autrefois de cette épée au bon tranchant pour affronter les monstres. Lame de métal, bénéficie d'une excellente résistance. Donc ok, donc ça c'est parfait. On va pouvoir jeter ce putain de truc qui ne sert à rien. Et qui en plus fait chier. Du coup, on va jeter l'arme. Par contre, je veux pas dire, mais le coffre il m'embarque, vu que ça fait un poids vers la gauche, du coup, mais c'est trop réaliste le jeu. Stop! C'est bon, il y a plus de coffre. Merde, il y a plus de coffre, oui. Il y a plus de coffre. Merde, il y a plus de coffre. Si, il y a des coffres. Voilà. La deuxième partie, oui, donc on la fera la prochaine fois. Je pense que, je sais pas si on la fera dans la prochaine vidéo. Je ne pense pas parce que j'ai quand même envie d'explorer un petit peu. On va alterner. Dans la deuxième partie, on fera donc vous inquiétez pas, on fera le Korogu et après on fera non le Korogu, on fera à la fin. On fera une fois dès qu'on explorera là. Et puis une fois qu'on a exploré, dans la prochaine vidéo, on a exploré la zone que je veux avec les marqueurs. Ben on reviendra ici pour explorer le reste qu'on n'a pas exploré. Voilà. Et regardez, c'est pas bâtard ça. Bon, vu que ça sale à la frontière du truc, on peut, mais ça c'est bâtard, ça, regardez, on s'en aperçoit même pas qu'il y a des choses ici. Donc du coup, on a peut-être loupé des choses qui... Regardez, on en a peut-être loupé là-bas. Donc du coup, il faudra y revenir là-bas. Donc écoutez, on y va. C'est à la frontière, donc je me dis qu'il n'y a pas de soucis tant que c'est à la frontière. Et pas de... Oh, what the fuck? Il y a deux coffres. Il y a deux coffres. D'accord. Il y a deux coffres, d'accord. C'est bien pour le 100%, moi on avance. On avance pour le 100%. 5 flèches électriques. Ces flèches imprégnées d'un pouvoir de l'électricité. Elles recueillent tout ce qui les entoure à l'impact et sont très efficaces contre les éléments mouillés en métal. Donc je pense qu'on va pas tarder à arrêter la vidéo, les amis, parce que là, je pense que ça fait déjà 20 minutes qu'on explore le reste. Donc on fait juste le. Comment ça s'appelle? Merde. En fait, je pense que ça va se faire en deux parties. Et je pense que le côté à gauche, on le fera aussi dans la deuxième, si une fois qu'on aura fini d'explorer là. Longue épée de vertu, 50 d'attaque, cette arme significative a nécessité toute la savoir-faire Sheikah en matière de lame afin d'accommoder les chevaliers d'Aero plus habitués aux épées Sheikah Uzel. Alors ça c'est parfait, ça on va le garder. Ça serait bien, attendez. Ouais, on va le garder, on va le remplacer par une épée de merde, épée de soldat. Alors ça vous avez eu contre les boss, c'est parfait. Ça, en 2-3 coups, c'est fini. On fera la frontière, évidemment, durant le... on fera la frontière. Est-ce que je la fais maintenant, la frontière? On y est, donc on va faire maintenant la frontière. On y est, on va faire maintenant la frontière. Oh, il y a un autre Korogu ici. Vous avez cru que j'allais louper. Donc il y a un deuxième Korogu à faire ici. À y penser. Donc ce sera dans la prochaine. Enfin, ce sera peut-être pas dans la prochaine vidéo. Parce que quand même, dans la prochaine vidéo, j'aimerais bien m'attaquer. Oh, un autre Korogu ici. Ça fait 3. Mais dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai à l'exploration du reste du lac Ilia. Donc on va faire encore le tour. Et puis on fera l'île dans la prochaine vidéo. Comme ça, au moins, voilà, on aura fait tout ce qu'on a à faire. Donc du coup, ben, on va continuer là. Donc, on va avancer là-bas. Allez. Attendez, j'aimerais juste... Ah merde. Non. Merci. Donc là, il va pleuvoir. Ça a tendance. Allez. Rien du tout ici. Peut-être on découvrira peut-être d'autres Korogu. Regardez, dans la tour, ça a l'air suspect aussi encore. Peut-être on découvrira d'autres Korogu, hein. Chose qui est possible. Regardez, même cette partie de la tour, ça a l'air suspect aussi. En hauteur, là. Il devrait y avoir des trucs intéressants. Bon, ça sera une fois qu'on aura fini de tout faire, hein, parce que sinon, alors, on va jamais s'en sortir. Donc, il y a 3 Korogu à mémoriser. Il y en a 3 à chercher. Hein. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici?
Oui, il y a un rocher. Les amis, il y a un rocher, donc il y a un Korogu forcément ici. Donc ça nous fait quatrième Korogu. À tous les coups, il y en a un cinquième peut-être en haut, non? Non, il n'y en a pas cinquième en haut. Bah, il n'y a pas de cinquième en haut. Il n'y a pas de cinquième en haut. La déception. Bon, au moins, ça nous en fera quatre dans une vidéo, c'est parfait. Donc j'ai dit, pour le 100%, on explore tout. On explore tout. Ah bah tenez, il y a un autre radeau pour tout. Au lieu d'utiliser sur la map. De toute façon, on utilisera cela pour aller plus vite. Donc on va faire le tour. Et on fera l'île après. À la fin. Par contre, ça serait bien que j'accélère un petit peu. Hop. Tac. Y'a rien du tout ici. Rien, nada. C'est quoi ça? Ah, c'est un canard. J'ai eu peur. Ah, merde. Merde, 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 merde. Ça c'est... comment ça s'appelle? Un octorok, donc du coup, il faudra servir de l'arc. Des flèches normales. Et du coup, on défonce. Voilà. Du coup, on va récupérer ce matériau. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de Korogu, donc... enfin, beaucoup. Je pense qu'ici, il y en a quand même des Korogu. Et des coffres et tout. On ira explorer tout ça dans... Enfin, le dedans, dans la prochaine vidéo. Là, on fait que l'intérieur et voilà, quoi. On fait que là, le tour, et c'est fini. Après. Peut-être cet épisode, vous allez trouver inutile. C'est vrai, j'aurais peut-être pu faire une ellipse, mais le 100% c'est quoi? Le 100% c'est de tout faire. Et voilà, le 100% c'est de tout faire, les amis, c'est comme ça. Et moi, ça m'amuse de faire ça, au contraire. Alors est-ce qu'on le compte quand même? Vu qu'il fait partie du milieu quand même, un petit peu, non? Bon, on le compte quand même parce que j'ai peur de l'oublier, mais au moins... Et ce qui est vraiment véritablement au milieu, parce que là, on aurait pu l'attraper, hein. Allez! Merci. Bah, en fait, le truc de nuit, bah, ça sera pour la sur une future vidéo. Hein. Y'a pas le choix. Hein. Y'a pas le choix. 5 flèches électriques. Ces flèches imprégnées de pouvoir d'électricité électrocutent tout ce qui les entoure à l'impact et sont très efficaces contre les éléments mouillés ou en métal. D'accord. J'adore ce jeu quand même. J'adore ce jeu. Voilà, je vous le dis, hein, j'adore ce jeu. Oh! What the fuck? C'était pas du tout fait exprès. D'accord. Oh, du coup, ben. Genre, où il y a un crocodile à gauche? Ou c'est un canard qui fait ça? Ah non, c'est des canards. Entre guillemets, des canards. Parfait. Donc, du coup, ben oui, je les ai remis en mer, donc du coup, voilà. On va aller voir ce qu'il y a en son centre. Rien du tout. Ici non plus. Non, ici y a rien. En tout cas, ici c'est pas mal. Il y a pas mal de Korogu sous le dessous. Et ce qui est pas mal, c'est ce qui me rassure aussi. Qu'il y en a bien 900. Il est où? C'est moi qui me tire dessus. Il vient d'où le rocher? Oh, il est là-bas. Oh, mais oh! Prends visée, tu vas te dire des nouvelles. Merde. Ah ben putain, il en fallait du temps pour le viser. Pour le tuer, il en fallait du temps. Donc on va revenir. Après on va faire le tour et puis après on s'arrête pour cette vidéo. Qui commence à durer un petit peu trop longtemps là. Mais au moins on aura bien exploré, bien tout fait. C'est ce qu'il me fallait. C'est ce que je stressais le plus parce que c'est une des. C'est voir la, je crois, la seule sonne chiante. Et là, même dans le mode expert, il faudra faire.